est belle. C'est le moment de vérité. Pendant le couvre-feu, tu vas me faire repérer. T'inquiète, Serena, j'ai branché tes brouilleurs radar. D'ailleurs, félicitations, il marche à merveille. Par contre, tu pourrais jeter un œil sur mon blaster, il a une vilaine tendance à s'enrayer. Hé, normal. Je parie que t'as encore voulu jouer à la princesse Leia, je me trompe? Tu crois pas si bien dire. Ces lunettes, c'est le prototype de détecteur de vortex. Tu en es où? Ouais, ça va. Oh, toi, tu me caches quelque chose. Tu sais pas mentir à ta mère. Allez, raconte-moi tout. J'ai vu l'onde de choc. J'ai enfin trouvé la fréquence d'émission en inversant les canaux du différentiel. Princesse Leia ne comprend rien à ton charabia. Ok. J'ai reprogrammé le système pour obtenir une courbe sinusoïdale. Ce n'est pas seulement la détection des portes. Si j'arrive à faire vibrer certaines fréquences, on pourra ouvrir les vortex. Tu es sérieuse? Évidemment. Ça veut dire? Ça veut dire plus besoin de se cacher, plus de dictature. Need blaster à réparer. Oh, ça reste à démontrer tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ça peut pas être pire qu'ici. Chut. Les drones assassins, ils nous ont repérés. On est pris au piège. Dans la plupart des films au cinéma, ils ont toujours une porte dérobée. T'en aurais pas une petite par hasard? Lâchez cette arme immédiatement. Je répète, lâchez cette arme immédiatement. Maman, tu viens de bousiller un drone. On n'avait pas le choix. Ils avaient découvert notre planque. Le drone fouillait dans la base de données de la gendarmerie pour nous identifier. On gagne du temps, mais ils vont finir par retrouver nos traces ADN. On n'est pas suivis. T'as laissé aucun plan des lunettes dans la planque? Non, t'inquiète pas. Il n'y a aucune trace. Les plans sont dans ma tête. S'ils nous attrapent, ils ont les moyens de lire dans tes pensées. Oui, je sais. Appel à toutes les forces de la résistance. La gendarmerie est en train de tenter un gros coup de filet. Ils sont en train de déployer des drones un peu partout dans Paris. Soyez prudents. C'est horrible. Terminé. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Des fois, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film tellement c'est irréel. Ici, Lapin Blanc, bien fait. Interdiction de regroupement de toutes les forces de rébellion à Paris. Je répète, interdiction de regroupement de toutes les forces de rébellion à Paris. On va être plus lent.
Faire de la résistance, ce n'est pas être spectateur ni acteur du film. C'est être scénariste de l'histoire. Maintenant, j'aimerais que tu prennes de plus en plus de décisions. Que tu choisisses ta vie. Je ne serai pas toujours à tes côtés. Où est-ce qu'on va ? Dans la forêt, en attendant de trouver mieux. Je connais quelques résistants qui pourraient nous héberger quelque temps. C'est ça ta forêt ? C'est quoi qui vole de partout ? C'est la forêt des orbes. J'ai vécu ici autrefois. J'en ai entendu parler, mais je croyais que c'était une légende. Je savais pas que t'avais vécu en forêt, tu m'en avais jamais parlé. Je t'expliquerai en route. Quand ton père a démontré l'existence des vortex, tout son labo a été incendié. Une histoire d'arnaque à l'assurance a été montée contre lui. Alors, vous avez fui pour rejoindre les résistants ? Certains résistants. Ceux qui ont compris que chaque révolution est une illusion pour accélérer un programme parfaitement défini. Tout semblait verrouillé, mais nous étions convaincus qu'il existe des portes de sortie dans ce programme. Les vortex. Tu crois qu'il y en a dans cette forêt ? J'en suis sûre. Ton père n'a pas eu le temps de terminer ses travaux. Ils l'ont enlevé et je n'ai plus aucune nouvelle depuis des années. Ensuite, nous sommes retournés à Paris et j'ai tout fait pour que tu termines ces travaux. Si tes lunettes peuvent repérer les fréquences, ça sera enfin une vraie révolution. Un espoir de quitter ce qui est devenu notre monde. Ne t'inquiète pas, le visualiseur est presque pris. J'ai juste un souci de perte de signal parfois. C'est ce que j'essayais d'améliorer hier soir avant que tu viennes. Regarde ça. Sauver. Me mettre en garde contre cette femme étrange. Je me sens très fatiguée. J'ai pas confiance en cet endroit. Je me sens sans cesse observée. Et je ne comprends pas, nous devrions être arrivés. Tu t'es peut-être trompée de chemin. Non, je reconnais les lieux. Ils ont dû partir. Ils se sont fait prendre. Ils avaient des brouilleurs de fréquences perfectionnés. Ils étaient indétectables. Je crois qu'on ne devrait pas traîner ici. Hé, hey, regarde ça. Il n'y a plus rien. Hé, hey, là-bas! Mais attends une seconde, ça colle pas. Qu'est-ce qui se passe? Cette voiture isolée n'a rien à faire ici. On dirait qu'elle a été posée ici. Les arbres autour n'ont même pas brûlé. Tout ça sonne faux comme un décor. Ils ont sûrement utilisé une arme à énergie dirigée.
L'armée a la technologie pour donner l'apparence d'un incendie. Pourquoi ferait-il ça? Pour dissuader les rebelles de se cacher dans la forêt. Regarde, il reste plus rien de la réalité que tu as connue. Ils auraient très bien pu cramer la forêt entière. Je crois qu'ils ont dispersé les fourmis. Pour récupérer la fourmilière. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant ici. Les drones nous ont repérés. On décampe! Lâchez vos armes. Vous n'avez aucune chance. Ils ont dû détruire la voiture. Cette fois, on est prise au piège. Semblait durer une éternité, cher Topia. L'heure de votre déchéance est enfin venue. Voici la navette qui vous mènera bientôt à l'échafaud. Avec une telle incompétence, n'espérez même pas être recyclé en black goo. Connaissez-vous les conditions nécessaires pour qu'un humain franchisse un vortex? Oui, votre majesté. Alors comment expliquez-vous ce qui vient d'arriver? Je ne comprends pas, votre majesté. Vous êtes trop stupide pour être le traître qui a organisé cette faille. Et vous êtes assez intelligente pour lui tendre un piège. Je vous remercie, votre majesté. Je peux donc... Oh! C'est votre dernière chance, Topia. La dernière. À vos ordres, votre majesté. La nouvelle récolte d'énergie que nous avions planifiée semble être compromise par une faille. Des terriens ont mis à jour un de nos vortex.
Ils ne doivent surtout pas découvrir qu'ils sont des êtres multidimensionnels. Vous allez devoir infester la population terrienne de deux manières, pour repérer et dénombrer ces explorateurs. Ils risquent d'ébruiter notre existence et celle des vortex. Mentio, je te charge donc d'intensifier les hybridations. Athémis, tu lanceras un nouveau programme d'abduction et d'implant. Je me charge de l'oracle. À tes ordres. Non, je vous en prie, n'approchez pas! Vous pouvez lancer la téléportation. Ma séquence finale approche. Tu vas découvrir qui j'étais et qui tu seras. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Concentre-toi et regarde. Cette centrale en face de nous rassemble l'ensemble des énergies émises par les entités carbone. Quelle énergie ? Les humains, les animaux dégagent des énergies. La peur, la violence, l'espoir. Toutes ces fréquences sont aspirées jusqu'ici pour alimenter la reine. La reine ? Elle entretient l'hologramme de la 3D. Ce sont les actions de toutes les abeilles qui rendent cette nourriture plus ou moins riche. Alors, nous sommes des abeilles ouvrières ? Programmées et inconscientes de leur rôle dans le système. Pourquoi m'expliquer tout ça ? Depuis que tu as franchi ce vortex, tu n'es plus une abeille, mais une ligne de code précieuse pour tes doubles qui t'attendent. Mes doubles ? Oui, une partie de toi est en train de mourir et une autre est en train de naître. J'ai autre chose à te montrer. C'est dans ce sous-sol que l'énergie recueillie est convertie en nourriture. Je me sens pas bien. Je veux quitter cet endroit. Parfois, la curiosité surpasse les angoisses. C'est de l'eau dans ces tuyaux ? C'est un fluide magnétique qui se charge de toutes les fréquences recueillies par la centrale. Une sorte de gelée royale. Et seule la reine s'en nourrit ? Uniquement si elle est pure. Car la moindre variable peut en faire un poison mortel. Et ces corps, emprisonnés dans des bulles ? De puissants ordinateurs. Leur cerveau calcule en permanence des ajustements de scénarios pour la Terre. Tous leurs scénarios sont projetés ici. Ça, là, c'était quoi ? Et pourquoi tous ces calculs ? Vous essayez de prédire l'avenir ? Oh non ! Il ne s'agit pas de prédire, mais de bâtir un scénario. S'il y a peu de guerre, peu de révolte, de peur, de colère ou de vengeance, le nectar ne sera pas assez pur. Par ici. Le clou de la visite. Impressionnant, n'est-ce pas ? Des entités hybrides. Des clones. Leur mission est d'exécuter sur Terre les missions qui ont été validées. Quoi que vous souhaitiez faire de moi, vous n'obtiendrez jamais mon consentement. En tant que résistante, je suis prête à y laisser ma vie. Oui, je le sais. La synchronicité va bientôt avoir lieu. Quoi qu'il arrive, garde le silence. Mais je... Tu dois me faire confiance. On doit partir d'ici.
C'est trop dangereux. Attends, répète. Mais j'ai déjà entendu cette phrase. Oh oui, bientôt. Non, pas d'humain dans mon labo. Tu devrais te réjouir, Mentio. Je t'apporte une jeune brebis sous hypnose. Je m'occuperai d'elle ensuite. N'approchez pas. Ces fréquences pourraient perturber mon opération. J'ai peur, professeur. Que va-t-il m'arriver ? Détends-toi. Tu ne crains absolument rien. Allonge-toi. Dis-toi m'obéir. Je suis ton maître. Alerte anomalie. Duplication incontrôlée des cellules. Protocole de sécurité désactivé. Ah, pas de transformation. Dis-toi m'obéir. Adieu, Serena. Je ne pourrai pas ralentir le temps très longtemps. Sauve-toi. Ma navette t'attend au bout du couloir. Mais pour aller où? Je sais même pas où je suis. Aide-moi, rejoins ma mère. La navette est programmée. Pars, ou tout sera fichu. Votre Majesté, une humaine s'est enfuie et notre système de sécurité est complètement déréglé. Ne reste pas plantée là, Hera. Préviens Topia d'aller rattraper l'humaine. Nouvelle diffusion de basse fréquence. Déprogrammation des soldats. Opération terminée. Disparu des écrans de contrôle.
bouclier puissance maximale. Comment peut-elle encore se régénérer? Hibernation. Emmène-moi à la forêt des orbes. Tu n'iras pas bien loin. C'est moi qui te cherche. Écarte-toi, esclave, et apporte-moi Torrender. Esclave, allons. Je ne crois pas que ce terme me donne envie de t'aider. Tant que nous ne vous aurons pas fusionné avec les machines, les hybrides resteront une espèce sous-développée, et de la chair à canon. À moins que le scénario ne joue en votre défaveur. Si tu viens ici, je suppose que tu as quelques problèmes. Je déteste perdre mon temps. Apporte-moi Torrender ou je te fais bouillir la cervelle. Pas de chance. Torrender est parti dans les grottes de Kerda. Mais de toute façon, il ne pourrait rien pour toi. Je t'attendais. Je suis l'oracle. Toi, l'oracle? Tu te moques de moi. Tu ne devrais pas sous-estimer les hybrides et les humains. Nous avons tous des facultés cachées. Il suffit simplement de prendre le temps de les découvrir. Toi, par exemple, je suis sûr que tu cuisines très bien. Tu devrais cuisiner plutôt que de venir cracher ton venin ici. Cette fois, tu vas regretter ton insolence. Allons, pas de menaces. Tu as besoin de moi. Quel est ton nom? Celt. Mais venons-en à la raison de ta visite. Tu veux savoir si l'humaine qui a pénétré le vortex va bouleverser le grand scénario? Effectivement, on ne peut rien te cacher. Je vois une évasion.
Tu sais forcément où elle va aller. Dis-le-moi. À une seule condition. Torrender m'a confié une mission. Il te demande de réactiver le vortex de la vallée de Deka. Pour quelle raison ? Torrender commence à trouver le temps long. Il aimerait bien se faire de petites virées, lui aussi. Tu sais, on se lasse vite du désert. Entendu. Je laisserai le vortex ouvert. Maintenant, lève ta main droite et ne t'avise pas de me mentir, car je le verrai immédiatement. Je t'écoute. Très bien. Lors de son évasion, l'humaine va franchir le canyon de Tsurba, en direction du nord-ouest. Tu vois quand tu veux. Tu salueras ton maître de ma part, et tu lui diras que le vortex lui est ouvert, pendant une heure. Seulement ? J'ai bien peur qu'il n'ait pas le temps d'en profiter, le temps qu'il revienne. Je m'en moque. Il n'avait qu'à être là. Je peux savoir ce que tu comptes faire. Je viens libérer mon maître comme il était convenu. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Vous ne m'aviez pas prévenu que Topia pouvait détecter les mensonges en observant les mains. Ah, Topia t'a menti. Elle t'a piégé en utilisant ton consentement et ta peur. Son point faible est de croire qu'elle a gagné la partie. J'ai programmé le détecteur de mouvement jusqu'à la tombée de la nuit. Ensuite, ton robot pourra venir te libérer. En attendant, ne t'avise pas de bouger la moindre tentacule, ou tout sautera. Bonne méditation à toi, l'oracle. Entité détectée à fort taux vibratoire. Du calme, je ne vous veux aucun mal. Reste tranquille. Il faut que tu te détendes. C'est du magnétisme ? Je suis en train de guérir une âme blessée. Attends, je vais changer de fréquence. Tu souhaitais me demander quelque chose ? Pas vraiment, j'ai juste été interpellé par... Ce n'était pas une question. Les chemins ne se croisent jamais sans raison. Je suis venu voir l'oracle. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Comment le sais-tu ? Tu t'inquiètes pour l'un de tes proches. Je le sens du bout des cheveux. Ton ressenti est exact. Et je sens que quelque chose m'échappe. Je suis rattrapé par les événements et je ne sais pas comment reprendre le contrôle. Tu commences à comprendre. Tu dois te libérer de ces liens. Tu as un mètre de retard, mais tu peux prendre le prochain. La prochaine ouverture de vortex sera trop tard. Une vie est en jeu si je ne trouve pas de solution. Attends voir. Je crois que j'ai quelque chose pour toi. Préviens cette personne à l'aide des synchronicités. Elle pourra elle-même corriger son destin. J'ignore ce que sont les synchronicités. Mais je perds du temps à discuter avec toi. Le temps presse, je dois agir. Les synchronicités sont des croisements de fréquences interdimensionnelles. Elles te permettent de t'affranchir du temps et des dimensions pour agir directement dans le code source du scénario. Un synchroniseur comme celui-ci peut t'aider. Mais pour t'en servir, tu vas devoir modifier ta vision du réel. J'ignore qui tu es et ce que tu racontes. Mais tes paroles résonnent dans mon cœur. Montre-moi comment agir sur le code source. Allez, je t'en prie, répare mes connexions avec Celt au plus vite. Si Celt reprend confiance en lui et me laisse le champ libre, je ne serai plus bloqué ici. Il faut que je prévienne Yenos que Serena est en danger. Concentre-toi sur le mécanisme de cet objet.
tout va s'arrêter. Le temps et l'espace n'auront plus aucun impact sur ta perception du réel. Ça ne marche pas, il ne se passe rien. Trop de stress. Tu essaies toi-même d'arrêter le mécanisme. Alors qu'il a toujours été arrêté, toujours été arrêté, toujours été arrêté. Je crois que je suis connecté. Super Celt, la porte est déverrouillée. Je vais pouvoir prévenir Yenos. Il est clair que ton vaisseau est inadapté pour franchir un canyon. Un passe d'accès régulier au vortex. C'est une belle récompense contre une navette comme la mienne. Mais pourquoi t'aider? On m'a raconté que ta base a été réduite en cendres par une de mes semblables tout à l'heure. Ces doubles ont dû bien travailler. Et qui sait ce qu'elle est encore capable de faire? Il y a des probabilités pour que le vent tourne du côté des humains cette fois. Mais, peu importe le résultat du match entre vous deux, je veux gagner à coup sûr. Il me faut un passe illimité, et aussi ton vaisseau en prime. Pour faire fonctionner l'attraction magnétique de la navette, tu devras te rapprocher à moins de 10 mètres de ta cible. C'est le seul moyen pour l'arrêter. Je n'ai pas besoin d'autorisation pour ça. Votre alcoolémie est à zéro. Un test sera effectué dès votre sortie du lieu public. Restez immobile. Puce RFID non détectée. Votre fréquence vibratoire indique que vous n'êtes pas à jour de vos vaccins. Votre identité est introuvable dans le répertoire de la gendarmerie. Vous êtes en état. Demande d'intervention dans ton setup. Autorisation d'état numéro 1947. 101. Mot de passe 54 AGT. Autorisation accordée. En attente d'instruction. Création et enregistrement de fiches au nom de Vincent Wallace. Accès à tous les sites sans autorisation préalable. Vaccin à jour pour une durée indéterminée. Enregistrement, tu peux circuler. Fiche validée. Merci Monsieur Wallace pour votre coopération. Votre compte a bien été débité. Puis-je faire autre chose pour vous, monsieur?
L'horloge là-haut, c'est une horloge atomique? Oh oui, bien sûr, elle fonctionne. Autrefois, des clients venaient ici spécialement pour la voir. Mais aujourd'hui, il semble qu'elle n'intéresse plus personne. Vous êtes horloger? En quelque sorte. Sur la Smart Dust, vous savez, cette poussière intelligente de l'ordre du grain de sable qui est utilisée pour... Ça arrive trop tard. Il me faut remonter le temps de quelques heures. Le laboratoire incriminé tente de rassurer la population. Le directeur a affirmé il y a quelques instants que la population n'avait absolument rien à craindre. Trahir mes semblables et vivre enchaîné dans le cycle à tout jamais. L'humanité a été conçue pour alimenter le cycle. Votre émancipation écroulerait le système et impliquerait votre perte. La Terre est une prison dorée, mais nous n'avons besoin d'aucun décor pour retrouver notre souveraineté. Vous ne parviendrez jamais à éveiller l'humanité. Grâce aux lunettes de détection des vortex, les humains pénétreront les dimensions parallèles. La simple intrusion de leur fréquence provoquera des réactions en chaîne, comme pour la reine. Dans quelques heures, il y aura une fuite dans ce labo. Je viens pour te neutraliser avant que tout cela n'arrive. Les dés sont jetés. Extinction automatique. Nous espérons que ce vol vous a été agréable. À ta place, je toucherai pas à ça. Qui est là? Qui êtes-vous? Waouh! Tu m'entends? J'ai rêvé ou bien... Tu me vois? Bah évidemment que je t'entends et que je te vois, mais... Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Du game, petit, je suis pas d'humeur à faire la fête. On va d'abord faire les présentations. Moi, c'est Serre. Serena, je sais qui tu es. Pas la peine de te présenter. C'est dingue, tout le monde me connaît dans ce monde. J'ai l'impression d'être votre héroïne, là. Ah non, la drogue, c'est pas bien, hors de question. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes?
non, je crois qu'on n'aura pas le temps de plaisanter. Viens vite, il faut se cacher. Vite, par ici. Hey, mais... c'est le même drone qu'à Paris. Où est-ce que je suis? Je sais pas, je suis comme toi, je découvre. C'est bon, je crois qu'il est parti. Toi aussi tu t'es échappé? T'es venu avec un vaisseau? Il marche encore? Oui, je peux t'y emmener, il est pas très loin et il reste de la place. Ok, alors mène-moi à ton vaisseau. On va interroger l'ordinateur de bord pour retrouver mon chemin et retourner chez moi. D'accord, mais on ne va pas tenter le diable. Pas de risque inutile. De mieux en mieux, je suis tombée sur un accro du jeu de rôle. Attends, c'est important, c'est grâce à ces dés que j'arrive à te prévenir des dangers. Ben voyons, et il t'annonce quoi? C'est bon, on risque rien en redescendant. Hé, hey, ne me regarde pas comme ça! Fais-moi confiance! Avoir confiance. Je suis là, au milieu de nulle part, avec des plantes bizarres, sans nourriture ni moyen de transport. Et avec un gars qui lance des dés pour avancer. Tu t'appelles Serena, tu as 14 ans, tu t'es échappée de vampires énergétiques et tu cherches à rentrer dans ta dimension. Comment tu sais ça? Tu travailles pour eux, hein? Tu veux me ramener là-bas? Parle! Écoute, je sais que tu vas pas me croire, mais... je suis ton double, la petite voix intérieure qui t'aide à prendre des décisions. Il va falloir que tu me fasses confiance. On doit partir d'ici, c'est trop dangereux. Ok, je te suis. Mais si tu me joues un mauvais tour, gare à toi. Au fait, tu comptes garder ton bâton encore longtemps? Aussi longtemps qu'il le faudra. J'ai appris à faire confiance qu'à moi-même. Je dis ça juste parce que c'est pas très impressionnant. Ok, je veux savoir ton nom et ce que tu fais ici. C'est simple, je m'appelle Yenos. En fait, je suis avec toi depuis ta naissance. Sauf que je suis invisible car tes yeux ne voient que toute petite partie du réel. Et comment ça se fait que je peux te voir maintenant? Je ne sais pas, peut-être que ce lieu permet de matérialiser plusieurs dimensions à la fois. Ce qui expliquerait pourquoi on peut communiquer, toi et moi. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces dés? Tu vas les lancer tous les trois pas? Tout à l'heure, j'ai oublié les lancer et on a failli se faire repérer par un drone. Bah alors, raconte. Qu'est-ce qu'ils te disent, CD? Ils m'indiquent le meilleur scénario possible pour retrouver mon vaisseau. Le scénario? Évidemment! On a chacun une vie scénarisée associée à des probabilités. Toi, par exemple, il y a peu de chances que tu deviennes astronaute ou basketteuse. Exact, et alors? Alors, tu combines toutes ces données. Génétique, savoir, expérience, environnement. Avec les probabilités, tu verras que le scénario offre au final très peu d'ouverture. Et moi, je choisis les meilleurs. Alors là, tu m'épates. Tu sais, c'est aussi moi qui t'ai donné un coup de pouce pour réaliser tes lunettes. Quoi? Tes lunettes peuvent voir les vortex? On est sauvés, je vais pouvoir rentrer. En fait, elle détecte les fréquences émettrices des vortex. Marchons, je vais t'expliquer. Les vortex sont des portails qui changent continuellement de fréquence. C'est comme une horloge. Et quand l'aiguille indique l'heure de ta dimension, tu peux y aller. Un peu comme un ascenseur, alors? Oui, c'est exactement ça! Il y a quelque chose qui cloche. Si tu es mon double, ton vaisseau aurait dû atterrir à côté du mien, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier que ton corps est fragmenté en plusieurs dimensions. Mais je suis fragmenté en combien de parties? Ça, je l'ignore. Je suis en quelque sorte ton corps mental. J'examine les différentes voies et je choisis les meilleures solutions. Attention, t'as une guêpe sur la tête! Quoi? Hey! Hé!
tu fais? Si tu les casses, on pourra plus rentrer. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Viens les chercher. Allez, Yenos, par ici, tu y es presque. Ça fait du bien de se défouler un peu. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Yenos, t'as vu cette roue dans le ciel? Évidemment que je l'ai vu, c'est un vortex. Je pense que c'est la reine qui l'a construit. Alors il y a donc des vortex naturels et d'autres qu'on peut créer? Pourquoi tu m'as pas dit qu'il y en avait un là-haut? Et c'est quoi toutes ces clés que tu portes? Tu me caches quelque chose! J'ai pas eu le temps de tout expliquer, voyons! Ces clés, ces engrenages, représentent nos victoires et nos inquiétudes, depuis ta naissance. Nos victoires à tous les deux! Mais tu sais quelle est la plus grande victoire? Celle que j'attends depuis tant d'années? C'est que tu prennes enfin confiance en toi! J'ai pas voulu tout ça! Je suis une simple chercheuse, pas une héroïne! Sirena, écoute-moi! Ces lunettes sont sûrement la plus grande découverte de toute l'histoire de l'humanité! Tu es une héroïne, tu entends? On a aussi découvert que dans cette dimension, des entités se servent de nous. Alors maintenant, ton devoir est de rentrer pour révéler ce savoir à toute la rébellion! Yenos, merci. Cette fois, je suis prête. Des traces de pneus. C'est probablement un véhicule à moteur. Va falloir être prudent, on n'est pas les seuls ici. Hé, tu m'écoutes? Ça y est, enfin! Ça veut dire que je vais bientôt gagner une nouvelle clé! Il faut continuer d'avancer, on est tout proche de la clé! Je suis fatiguée, j'ai tellement soif. Tu m'avais dit que ton vaisseau était à côté. Ça fait plus d'une demi-heure qu'on marche. Ça fait pas 30 minutes qu'on marche? Et ça, c'est quoi? Ça alors? C'est incroyable! Waouh! Regarde ça! Bah qu'est-ce qu'il y a? Elle marche plus? Les résultats des dés sont contradictoires. Et en plus, ma montre n'avance plus. Elle recule dans le temps. On est retourné 30 minutes en arrière depuis que nous marchons. Et alors, elle est juste tombée en panne. Mais non, c'est impossible. Elle ne repartirait pas en arrière. Chut, écoute. Tu vois ce que je vois? Je ne pense pas. Si, si. C'est bien lui. J'arrive pas à y croire. Que fait cet engin ici? Je crois pas que cet appareil soit là pour récupérer des échantillons. C'est un appareil de surveillance. C'est comme si quelqu'un essayait de capter notre attention, pour nous détourner notre but. Oui, c'est possible. Au sol, on est trop facilement repérable. Hé, regarde là-bas! Une carcasse de vaisseau! On pourrait trouver quelque chose à l'intérieur des débris! Non, on perd du temps, il faut retrouver ton vaisseau!
Serena, je ne peux pas avoir 100% confiance en mes dés. Ma montre avance à reculons. Et le mieux est de d'abord penser à notre sécurité. Que veux-tu qu'on trouve dans cette épave? Des armes ou encore un caisson d'eau? Sans vivre, on ne pourra pas tenir longtemps. D'après toi, ce vaisseau, il appartenait à qui? À mon avis, avant l'explosion, il y a dû avoir des navettes qui sont échappées de la base. Si la navette s'est écrasée, c'est qu'on lui a tiré dessus. Mais qui? Alors ça, je ne peux pas le savoir. Il n'y a rien d'intéressant ici. On devrait redescendre. Non, attends. On ne doit pas redescendre. Ça marche pas comme d'habitude. D'après les dés, le vaisseau est tout proche, environ 200 mètres. Et je parie que ma montre... fonctionne à nouveau! Ah, enfin, nous sommes sauvés. Mais comment tu as su que ça allait marcher? Je crois comprendre ce qui nous arrive. T'as pas l'air super content, qu'est-ce qu'il y a? Rappelle-moi ce que disait Tesla sur les fréquences. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquences, d'informations et de vibrations. Exactement! Hé, où tu vas? Attends-moi! Le signal, le signal! Hé, explique-moi, je veux comprendre! Si mes instruments fonctionnent à nouveau, c'est parce qu'on est en hauteur. Ça veut dire que mes instruments sont guidés par un signal, comme un GPS. Et quand on capte ce signal GPS, il nous fait tourner en rond. Exact. Ça fait des heures qu'on nous dit que le vaisseau est tout proche. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire qu'on n'est pas sur la bonne piste, pas sur la bonne fréquence. C'est pas mon vaisseau qu'il faut chercher, mais plutôt l'émetteur du signal. Tu veux dire que quelqu'un est en train de nous guider? Ou de nous perdre. Dans tous les cas, on influence notre libre arbitre. Regarde! Une nouvelle clé vient d'apparaître sur ta veste. Waouh! Elle est magnifique! Instrument, montre-moi où est l'émetteur du signal. Regarde ça, elle montre la direction opposée de celle du vaisseau. Regarde mon vaisseau! Ça y est! On l'a enfin retrouvé! Et c'est coupé! Je suis fier de toi! Ou plutôt devrais-je dire de vous? Papa? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas possible! Vous êtes allé au bout du niveau! Je savais que vous étiez capable d'aller jusque-là! Quel niveau? Et c'est quoi cette caméra? Ah, ça y est! Tu parviens à la voir! Et tu verras de mieux en mieux les coulisses. Cette caméra a filmé votre parcours. Un parcours exemplaire pour ceux qui nous regardent. Non mais c'est quoi cette blague? T'es en train de faire un film? Tu m'as piégé? Calme-toi, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas n'importe quel film. Tu as créé un monde virtuel? Disons qu'une partie de moi a hacké le programme de cette réalité. Tu as découvert comment visualiser les vortex. Et de mon côté, j'ai appris à les utiliser. Mais où sommes-nous?
Dans une simulation holographique? Des simulations, oui. À l'origine, tu as été programmé comme nous tous pour refuser cette idée et défendre l'illusion de ton libre arbitre. Tu vas sûrement trouver cela ridicule. Ou même t'énerver. Mais non, arrête de dire n'importe quoi! Regarde-toi! Regardons-nous! Tout est prédictible! Il m'a fallu tant d'années pour comprendre le scénario. Des avatars préprogrammés pour accumuler des points d'expérience, car l'espoir fait vivre. Je t'ai offert des clés pour te guider jusqu'au portail final. Mais dans ces mondes holographiques, on nous mène jusqu'au game over. La mort. Nous vivons dans une boucle. Il faut refaire plusieurs parties. Les réincarnations. Tu veux dire que nous sommes programmés à vivre cette boucle? Chaque joueur incarne un avatar, une fréquence précise sur le plateau de jeu. Tu viens de dire que tout est prédictible. Mais si tout est écrit, ça veut dire qu'on est prisonnier du jeu quoi qu'il arrive. Pas si nous anticipons le scénario. Deux de tes doubles te sont venus en aide au cours de cette aventure. Tout cela est arrivé parce que tu changeais de fréquence et que tu as accepté de les écouter. Donc c'est toi qui nous as guidés jusqu'ici? Attends, il y a quelque chose qui va pas. Puisque tout est écrit, tu devrais être programmé pour ne pas découvrir les ficelles du scénario. Exact! Et c'est ça le plus intéressant. Ça prouve que le programme est imparfait et qu'on peut le hacker. Chaque jour, nos doubles nous font des signes en utilisant les synchronicités. Si tu parviens à les repérer, tu changes de fréquence et développes tes capacités au changement. Deviner et anticiper le scénario du jeu. Ce sont les seuls moyens de hacker notre réalité. Et c'est ce qu'Athémis et Yénos ont fait. Athémis et Yénos? Tes doubles ont voyagé dans l'espace-temps pour modifier ton destin et celui de ta mère. Le puzzle des événements est en train de se reconstituer dans ma tête. Souviens-toi ce que tu disais dans la voiture. C'est horrible! Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Des fois, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film tellement c'est irréel! Dans les années 2010, on a commencé à numériser la réalité. On a programmé des ordinateurs pour qu'ils soient capables d'identifier des personnes et des objets. À partir des données recueillies, certains ont réussi à dupliquer la réalité, avec des nouvelles formes de jeux vidéo où l'on ne peut plus distinguer le virtuel de notre réalité. Parallèlement, les individus ont commencé à vivre leur vie sur leur smartphone. Ils ont consenti passivement au formatage de leur cerveau pour l'installation d'un nouveau BIOS. Les générations suivantes furent donc conditionnées et aimantées pour finir enfermées dans le cube. Le cube? Le cube? La box, c'est la console de jeu. Le maître du jeu de rôle qui conçoit le scénario général. À partir des années 2020, le scénario s'est accéléré, avec des lois liberticides qui ont détruit les liens sociaux. Divertissements, spectacles, réunions, manifestations, des couvre-feux. Instaurer la menace constante. La menace d'une pandémie ou d'actes terroristes. La menace d'une catastrophe économique. Des vibrations basses dans un tunnel sans fin, pour maintenir le cauchemar et nous empêcher de nous éveiller. L'homme qui vit dans la peur est en total contrôle. Il devient une machine obéissante. Une simple empreinte numérique, un composant du circuit intégré dans le cube, qui ne peut plus agir contre le scénario général. Tout le monde doit rester enfermé. Chaque habitation est un cube. Tu es en train de me dire que dans un futur proche, une équipe de chercheurs va créer un monde virtuel dans lequel les gens pourront s'enfermer? Et que ce monde, c'est celui dans lequel nous vivons au quotidien? Sans oublier que notre ligne de temps est inversée. Notre futur crée notre passé en formant une boucle. Donc notre cerveau ne décode pas la réalité dans le bon ordre chronologique? Parce qu'il a été programmé pour dérouler le fil de cette manière. C'est une boucle, un paravent, pour masquer les coulisses de la pièce de théâtre. Comment des personnes en sont venues à concevoir un monde virtuel sans réagir? Parce que les humains ont été programmés pour le faire. Tu comprends pourquoi la déprogrammation est un parcours long et difficile? Serena, tu as réussi à dévier le scénario de la reine, tout simplement avec les fréquences que tu portes en toi.
En inversant ta polarité, tu n'alimentes plus le système. Nous sommes à l'aube de notre souveraineté. Ne plus alimenter le système ? Retirer la prise de courant ? C'était donc ici le boss de fin de jeu vidéo ? Serena a accepté de remettre en cause sa vision du réel. Sa reprogrammation a permis de neutraliser la reine dans le passé. On a gagné ! Nous n'avons gagné qu'une bataille. Mais le scénario, l'aube de la souveraineté, se trouve en face de nous. Lorsqu'il appuiera sur le bouton stop de sa caméra, le portail va s'ouvrir et nous pourrons aller où nous voulons. Nous ne serons plus les acteurs d'un film, mais les scénaristes de notre propre vie. Jusqu'au moment où quelqu'un appuiera sur le bouton de lecture du film. Toi aussi, tu as créé une boucle. J'ai fait en sorte que cette œuvre demeure une belle aventure, rayonnante, positive et pleine d'espoir. Il était hors de question que je vous enferme à mon tour dans le cube de cette caméra. J'ai prévu des portes de sortie aux deux extrémités de ce film. Vous êtes libres. Je crois que les spectateurs ont mérité leur happy end. Viens, Serena, le vaisseau nous attend.